Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Octet Tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo concernant le Dark Matter. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos, que ça soit niveau gameplay, de la news, etc. Enfin bref, même gameplay, tu sais qu'il y a toujours quelque chose derrière, etc. Et n'hésite pas à me défoncer la barre des likes. Voilà, plus de 1000 likes maintenant, c'est chaque fois le target à obtenir et on le fait limite à chaque fois. Donc défoncez-moi cette barre de likes là et en plus vous allez avoir deux gameplays. Donc sur Infinite Warfare et donc le premier gameplay avec le vrai Dark Matter sur Infinite Warfare qui est juste magnifique dans l'espace. C'est vrai que la dernière fois j'en avais parlé avec Ayman, on en parlait etc. pour une vidéo. Il voulait faire justement un Dark Matter sur Terre, hein, donc on joue sur Terre hein, tout simplement, et un justement où on joue dans l'espace, en l'occurrence Mayday. Et c'est vrai qu'en fait il a une couleur totalement différente et j'avais complètement zappé cet élément et je le trouve ultra beau, mais vraiment je le trouve magnifique dans l'espace ce Dark Matter. Et je trouvais ça un peu dommage au sens du terme qu'ils en ont mis un spécial sur Terre et un spécial dans l'espace lorsqu'ils auraient pu le mettre directement celui de l'espace, parce que je le trouve vraiment mais magnifique celui-là. Et puis voilà, c'était le petit truc, etc. Et concernant le faux Dark Matter, alors pourquoi je vais dire faux Dark Matter, c'est ceux qui sont justement des armes pas épiques, légendaires, mais en MK2, qui ressemblent un peu, je dis pas que c'est exactement les mêmes, mais qui ressemblent un peu, on va dire, ceux qui ressemblent le plus à celui de Infinite Warfare. C'est vrai qu'il y aura également l'autre qui ressemble un peu en mode Tron, etc. Mais vraiment l'autre en mode MK2, je trouve qu'il ressemble énormément. Et niveau gameplay, vous allez avoir donc la première, c'est une atomiseur NV4, gna gna gna. Oui, je vois déjà les personnages, c'est chaque fois de la NV4, etc. Et la deuxième, vous aurez de la trencher. Comme ça, vous pourrez pas dire, oh, c'est chaque fois de la NV4 et tout, etc. Voilà, chaque fois, vous allez avoir des gameplays différents. Bon, je crois que je vais pas le répéter une xème fois pour vous dire que le Dark Matter sur IW est très chiant à débloquer. Je crois que j'ai carrément fait une thèse dans chaque vidéo en train de vous expliquer pourquoi il était chiant ce Dark Matter, mais plutôt en train de vous dire que quel est selon vous, déjà selon vous, le plus beau entre soit le Dark Matter, enfin celui-là, en tout cas moi dans l'espace je le trouve ultra kiffant, ou les MK2 en légendaire. C'est vrai que moi le MK2 légendaire je le trouve magique, hein, franchement je vous le dis tout de suite, je le trouve vraiment très 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 beau et c'est bizarre parce que c'est même pas un camouflage que tu peux obtenir dans les largages de ravitaillement. En fait c'est une arme vraiment qui est compliquée à obtenir et tu chopes en même temps le camouflage qui va avec, qui est beau, etc. Et c'est quand même incroyable de se dire que sur Infinite Warfare, on peut débloquer l'arme, mais en même temps, le camouflage qui va avec. Et ça, c'est, on va dire, un peu inédit sur un Call of Duty, parce que Advanced Warfare, t'avais pas ça. Mais sur Infinite Warfare, ils ont décidé de faire ce principe-là. Par exemple, si t'as la NV4 répercussion, sans forcément que ça soit une MK2, t'avais quand même un camouflage violet pour l'obtenir. Et c'est vrai que là, c'est la première fois, justement, où on chope déjà ça. Et en plus de ça, on reçoit un nouveau camouflage un peu plus stylé. En parlant de nouveaux camouflages, également, il y aura trois nouveaux camouflages, enfin trois plus trois autres qui vont arriver sur Infinite Warfare qui sont un peu plus animés que les autres, que les précédents sur Infinite Warfare, sauf une, je crois que c'était Tache de Sang, je sais plus comment elle s'appelle, elle est sortie en même temps que la type 2 nucléaire à l'époque, qui était quand même assez sympa. À chaque fois que tu faisais un frag, bah, à chaque fois ton arme avait des taches de sang supplémentaires, c'était quand même assez sympathique, on va pas se le cacher. Mais voilà, ils décident de rajouter des nouveaux camouflages, etc. Alors est-ce que ça vaut vraiment la peine et tout? Je sais pas, comme je vous en ai parlé la dernière fois par rapport à des éventuels nouveaux Dark Matter, même si je suis pas convaincu, hein, je vous avais dit que je les trouvais pas forcément extrêmement beaux, sauf un que je trouvais quand même assez stylé, c'était le rouge et non le rose, que je trouvais ça quand même assez stylé, mais sans plus, et moi je préférais quand même les camouflages de Call of Duty Black Ops 3 qui sont beaucoup plus beaux. Après faut se dire aussi un truc, c'est que Infinite Warfare niveau, pas beauté, mais au niveau des camouflages et tout, c'est vrai que c'est au niveau des couleurs, tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment très gris quoi, c'est vraiment très gris, c'est limite dépressif, hein. Quand on compare Call of Duty Black Ops 3 et Infinite Warfare, les couleurs de Infinite Warfare sont très dépressifs, c'est beaucoup de gris, etc, etc, ça fait beaucoup plus sombre. Certains vont dire ouais je surkiffe et tout, etc, le petit heure en passant par là, et c'est vrai qu'après c'est une question de goût et de couleur, mais je préfère qu'un Call of Duty en fait soit entre celui qui soit beau et en même temps qu'il y a le côté un peu sombre et tout. Et c'est vrai que Black Ops 3 c'est plus basé sur la couleur vive qui va vraiment te imprégné, qui va vraiment limite te donner envie de jouer à fond, etc. Là c'est vraiment très sombre et tout, etc. Donc forcément c'est comme je dis, les goûts et les couleurs, c'est comme le camouflage auquel je vais vous présenter lors du deuxième gameplay.
que franchement je trouve quand même joli le deuxième camouflage, hein, je le trouve joli. Malheureusement, comme je vous ai dit, pour l'obtenir, ce genre d'arme nucléaire et en même temps MK2, soit tu mets beaucoup d'argent sur Infinite Warfare, ou tout simplement bah t'as de la chance et tu tombes dessus, hein. C'est vrai que moi j'ai eu quand même pas mal de chance, je suis jamais tombé sur cette arme là. J'ai eu par hasard je crois que c'était le pot de vin d'Infinite Warfare, je suis tombé dessus, mais pas pure chatte, mais vraiment par pure chatte, et au final ça a quand même payé quoi, ça a quand même payé au sens du terme, que au lieu d'avoir carrément la trencher nucléaire, bah j'ai eu la trencher nucléaire MK2, même si ça me sert à rien sur mon compte parce que je passe pas les prestiges, mais c'est quand même, on va dire, j'ai même pas besoin de mettre de camouflage, je le trouve vraiment ultra beau, je le trouve ultra bien fait, et il ressemble de nouveau à ce côté un peu alien, tu vois, genre c'est pas un élément limite qui existe sur Terre. C'est vraiment un truc bien spécifique, bien spécial et tout. Et c'est ça aussi qu'on aime un peu sur Call of Duty. C'est que même si, voilà, il y a le délire de l'espace et tout, que c'est vrai que c'est un peu chiant, etc. Mais ce genre de camouflage-là, même si c'est un délire d'être dans l'espace et tout, c'est quand même assez beau. Moi, je trouve, comme j'ai dit, assez beau. Et j'espère aussi également dans l'espace des commentaires, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Lorsqu'on va voir le prochain Call of Duty World War 2, donc il n'y aura certainement pas le Dark Matter, parce qu'il faut quand même que ça soit cohérent par rapport à l'époque. Il faut que ça soit quand même cohérent. Et le truc, c'est que le Dark Matter, c'est pas possible. C'est pas possible, on est bien d'accord. Le diamant, évidemment, c'est possible. Mais le Dark Matter, c'est vraiment pas possible. Donc, est-ce qu'ils vont rajouter des autres éléments, genre le mode rubis, le mode saphir, le mode émeraude, parce que ces couleurs-là existaient déjà. Mais on va dire que Deuxième Guerre mondiale, c'est censé être un minimum sérieux. Donc, si tu balances des trucs, genre camouflage, rubis, émeraude, saphir, enfin bref, tout ce que tu veux, c'est quand même assez bizarre. Hein, on va pas se le cacher, donc... Est-ce que, selon vous, il y aura ce genre de camouflage, ou sinon, n'hésitez pas à en balancer d'autres, hein. Je pense qu'il y aura également peut-être d'autres moyens d'obtenir une réponse par rapport à cette situation-là. Et puis voilà, c'est, on va dire, le petit débat que je lançais. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce camouflage-là, si c'est plutôt assez chiant de l'obtenir. C'est vrai que c'est quand même assez embêtant, on va dire, d'obtenir l'arme et en même temps l'arme MK2 que tu vas jouer avec. Parce que c'est vrai que moi, les armes MK2 que je chopais en étant épique, c'était des gros vieux fusils à pompe auxquels j'avais jamais joué de toute ma vie. Je pense à celui qui ressemble un peu au Haymaker sur... sur Call of Duty Black Ops 3, c'est un des fusils à pompe que tu peux avoir en nucléaire, mais que je trouve totalement naze et totalement useless. Après, comme j'ai dit, hein, les goûts, les couleurs, moi le fusil à pompe, je suis pas du tout un player fusil à pompe, hein, c'est pas du tout mon délire, même si de temps en temps un bon petit vieux Space 12 sur MW2 ou MW3, voilà, ça on va dire que c'est un peu la base, hein, c'est un peu la base, et les anciens qui ont joué à ce genre de Call of Duty là sachent et doivent savoir de quoi je parle, c'était une autre magie. Et puis voilà, donc... J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires. Ah oui, dernier petit truc vraiment important. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander du Call of Duty Black Ops 3 ces derniers temps. Je sais, je regarde énormément les commentaires. Ne croyez pas, je regarde énormément les commentaires. Dès que les examens seront terminés, donc ça veut dire vendredi, je vous fais cette vidéo jeudi, je pourrai grind vraiment le Dark Matter et tout sur Call of Duty Black Ops 3. Je crois que là, je vais attaquer les mitraillettes, donc ça va directement être certains trucs par rapport à ça. Donc je vous ferai pas en live, bien évidemment, je préfère vous le faire en vidéo pour obtenir ce qu'il faut, et puis après j'attaquerai bien évidemment le fusil à pompe, la batteuse et tout ce qu'il faut, enfin bref, ça sera un truc beaucoup plus facile, et j'aurai également beaucoup plus de temps devant moi également pour attaquer ce genre de vidéo, parce que ça prend beaucoup de temps, on va pas se le cacher, ça prend beaucoup de temps, il faut également avoir de la motivation, et j'attends que tout ça soit fini pour vraiment vous attaquer cela. Et n'oublions pas, vendredi, oui, vendredi, donc je vous fais cette vidéo. Rendez-vous demain à 19h, les potes. Et oui, à 19h, vous savez très bien pourquoi. Parce qu'il y aura une nouvelle arme de World War 2 qui sera disponible sur Call of Duty. Donc rendez-vous demain, 19h, sur ma chaîne. Et là, je serai en live, par contre, pour vous claquer de la nucléaire avec. Voilà, les gens, c'était Loctet tout. Je vous laisse en musique de fin avec le gameplay, puisque je vais faire un petit gunstrike. C'était Loctet tout. N'oublie pas le petit like et le partage. Ciao, ciao tout le monde.